culte, curiosité sur le site de notre manifestation, le lévrier polonais ou Charles Polski. La race que nous vous présentons est originaire d'Afrique, du Mali, l'Azawak. Nous restons... Nous restons en Afrique, dans l'Afrique du Nord, il y a le Sloughi. Le fait. Et puis un petit lévrier qui est une des races, des petites races canines, le petit lévrier italien. Vous voyez, de la Eric Wolfhau, la plus grande race, par la hauteur au carreau, et puis ce petit lévrier italien. Mais ne vous y trompez pas, toutes ces races de lévriers sont autorisées à pratiquer en France des épreuves officielles de poursuite à vue sur l'heure et de poursuite de synodrome. Ce sont toutes les races d'utilisation. Il est bon de nous rappeler en question les six champions des solitaires et les six champions de l'eau de meilleure race aujourd'hui, parce que sans le respecter, on réclamait à laisser passer cette pré-menace d'exposition. Nous dire là, nous aimerions de l'entendre les six groupes de communauté. Voilà, on peut applaudir ceux qui nous quittent, mais on les reverra bien sûr avec plaisir dans nos expositions. Je rappelle que les chiens ont tous été désignés meilleurs de leur race, donc ça vous donne déjà une idée de leur valeur, de leur qualité. Et maintenant, il va être procédé à la désignation des trois meilleurs du groupe. Donc, en examen aux allures de Winfrey, suivi du petit lévrier italien, ne vous fiez pas à son aspect fragile, c'est un formidable chien dans les courses officielles qui, nous le rappelons, sont gérées au niveau national par une commission spécifique de la Société Centrale Canine, la commission d'utilisation nationale des lévriers. L'Azawak en mouvement, ce lévrier au regard d'Afrique, il y a très peu de races dans les gardes d'Afrique, mais l'Azawak en est une qui s'entraîne